Nous allons continuer sur le roi de roi, le roi du royaume. Donc, quand nous parlons du royaume de Dieu, nous sommes aussi en train de voir le roi de ce royaume-là. Parce que la grandeur d'un royaume est vu par rapport au roi qui dirige le royaume. La Bible nous dit, malheur au pays où le prince s'enivre le matin. C'est malheur pour un pays quand le dirigeant n'est pas sage. Quand le dirigeant n'est pas vraiment intelligent, il peut amener son pays dans un guerre. Et son peuple va être tué à cause de cela. Alors, le royaume de Dieu, la force du royaume de Dieu, est vue par rapport à l'intelligence du roi. Amen. Amen. Vous êtes là, Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8, on va lire le verset 4. Vous êtes là, je peux lire maintenant? Amen. Ecclésiaste 8, 4, le verset nous dit. Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira que veux-tu? Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira que veux-tu? Yahweh l'Éternel.
Nous nous sommes approchés ce matin autour de ta parole. Ta parole est puissante. Alors nous nous approchons autour de toi, Yahweh. Parle-nous ce matin. Parle-nous. Donne-nous une parole qui est puissante. Une parole qui vient de ton trône qui ne peut pas être examinée par une force satanique. Et une parole qui va entrer directement dans nos cœurs. Pour transformer des vies. Pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Je vais changer de micro. Amen, amen. Amen. Nous allons être pour écouter la parole. Alors ce matin, nous venons de lire dans le livre de Ecclésiaste 8:4. La Bible nous dit ceci. Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira que tu es? Alors, pour parler du royaume, comme je disais, et on est en train de voir le roi du royaume. Parce que la gloire du roi arrive jusqu'à l'extrémité de son royaume. Et un roi intelligent sait comment diriger son peuple. Un roi intelligent sait comment faire pour que son peuple puisse vivre dans la paix. Un roi intelligent sait comment donner l'huile à son peuple. Sait comment donner une maison à son peuple. Un roi intelligent sait comment construire des hôpitaux pour la guérison de tous les gens de son peuple. Alors, le roi intelligent Salomon nous a montré ces choses. Parce qu'il était intelligent. Il était à mesure de payer tous les gens qui étaient dans son royaume. Tout enfant d'Israël qui était en Israël à l'époque de Salomon. Chaque jour, il y avait un paquet qui venait du roi. Dans le paquet, il y avait l'huile, la farine, les habits, Bilamba, et toutes les choses, tout le besoin que les gens avaient besoin. À l'époque de Salomon, il y avait beaucoup d'argent et ils ont arrêté de compter. Et cela était possible parce que le roi était intelligent. Alors aujourd'hui, on est en train de voir que la parole du roi est puissante. Et qui va lui dire que veux-tu? Parce que le roi est roi. Personne ne peut dire au roi, qu'est-ce que tu fais? C'est parce qu'il est le roi. Alors cette habitude-là, tout le roi de ce monde a essayé de tricher ça. Parce que le roi doit parler ici. C'est le roi, le l'éternel Dieu lui-même. Alors, tout le roi de ce monde va essayer de tricher cette chose ici. Quand on a vu le roi Pharaon et Nebuchadnezzar et tous ces rois de Babylone, tout les choses qui étaient en train d'essayer de faire, c'était un modèle qui ont triché du vrai roi. Quelque part dans la Bible, on nous dit que Satan, il s'est dit dans sa tête que je vais monter et je vais mettre mon trône au-dessus des étoiles. Et moi aussi, je vais être comme Dieu. Alors, cette idée
est venu dans le cœur de Satan. Parce qu'il avait vu Dieu en train de régner. C'est pourquoi il s'est dit dans sa tête. C'est pourquoi il s'est dit dans son cœur. Et moi aussi, je peux prendre ma petite chaise et la faire monter au-dessus des autres étoiles, au-dessus des autres anges, au-dessus des hommes, et je vais être Dieu. Alors le feu est sorti de lui, il a été brûlé. Parce qu'il y a un seul Dieu. Il y a une seule chaise. C'est l'Éternel qui est sur cette chaise. Alors, le modèle qu'il a vu, c'est le modèle qui essaie d'imiter jusqu'aujourd'hui. La Bible nous dit aussi que tout le roi de la terre ont bu le vin de sa coupe. Il a pris sa coupe, il les a donné un mauvais vin, et tout ça ils se sont enivrés. C'est pourquoi vous voyez les Satan Hussein, le Kadhafi, le Mobutu, Mobutu et les autres que je ne peux pas citer aujourd'hui. Ils se comportent tous de la même façon. Parce que c'est quelque chose qui vient de Satan, de Babylone. C'est la folie. Et on appelle ça aussi la folie du roi. Vous allez voir même. Ben, dans un pays de la sorcellerie, à l'époque de Esther, le roi est en train de dire à Esther que ce que moi j'ai écrit, ça ne peut pas être changé. Un roi qui est en train de mentir chaque jour, il veut écrire quelque chose et que ce qu'il a écrit puisse rester. Où est-ce qu'il a vu ça? Il a vu ça chez Dieu et il est en train d'essayer de tricher Dieu. Alors quand il essaie de tricher Dieu comme ça, il croit qu'il va devenir Dieu. Mais tous les rois de ce monde, ils sont tous tombés. Satan Hussein n'est plus là. Satan Hussein a insulté. Mobutu n'est plus là. Mobutu a insulté. Kadhafi n'est plus là. Kadhafi a insulté. Et c'est quelque chose qui suit tous les autres rois de ce monde. Si tu te fais un roi dans ce monde, par toi-même, tu utilises l'énergie de Babylone. Ton royaume ne peut pas dépasser 40 ans. Pour continuer pour les 40 ans. Même si tu règnes comment, tu ne peux pas dépasser 40 ans. 40 ans. Après un temps, tu vas tomber. Et ça, c'est la Bible. Alors, on nous dit que la parole du roi est puissante. Ça veut dire que, parce que la parole du roi est puissante, le roi n'a pas besoin de dire s'il vous plaît. Parce qu'il est roi, tout ceci soit exécuté. Même si son souhait est malade, même si son souhait n'a pas de sens, quand le roi dit qu'aujourd'hui, je vais me laver dans la piscine, rempli de champagne, ses serviteurs vont sortir, remplir la piscine avec champagne, pour que le roi puisse venir se laver. Parce que le roi a dit. Et ça, c'est même quand le roi méchant dit. Ses servants sont en train de regarder pour que ce qu'il a dit puisse être accompli. Vous êtes en train de suivre. Alors cette chose là, je répète, ils nous ont triché sur Dieu. Eux, ils n'étaient pas à mesure de voir Dieu. Kadhafi, Mohamed, Mao, Judge, celui de Corée aussi,
Eux n'ont pas eu la chance de voir Dieu. Mais Satan avait eu la chance de voir Dieu. Alors quand Satan est venu sur le monde ici, il a essayé de répliquer ce qu'il a vu. Alors ce qui fait que tous les gens qui parlent voient. Il voit qu'il a, il met un uniforme. Et quand tous ils sortent, ils font l'uniforme. Vous êtes en train de suivre. Quand vous voyez qu'il y a un soldat dans ce monde, un maréchal, avec le bouton de lion. Ils ont vu ça quelque part. C'est pourquoi eux tous, ils viennent dans ce monde, il y a une uniforme de soldats avec le bouton de lion. Avec le bouton de tigre. Avec un dessin de ténèbres. Ils ont vu ça quelque part. Et ils sont en train de copier. Vous êtes en train de suivre. Alors, tout est ce règne-là. Jésus-Christ vient nous dire que le royaume de ce monde est devenu mon royaume. Quand il est venu sur la terre, il est venu avec l'uniforme de Dieu. Il est venu avec la tenue de Dieu. Et quand Jésus-Christ portait son habit du roi, il n'a pas besoin qu'on mette un petit bouton là avec un lion. Non. Quand lui il porte l'habit avec le dessin du lion, c'est un lion vivant. C'est un lion qui est en train de parler. C'est un lion qui est en train de respirer. Et si tu fais une blague, pour lui toucher par derrière, le lion là te mange par derrière. L'uniforme de Dieu, la tenue d'uniforme de Jésus, c'est un aigle vivant. Un aigle qui est en train même de voler. L'aigle peut sortir voler et rentrer. L'ours c'est sur lui. Peut sortir et rentrer. C'est pourquoi on nous dit. Autour de ce trône, il y a des êtres vivants. Il y a des animaux que celui qui les a regardés, il ne pouvait pas nous décrire ça correctement. Pour nous dire quoi, le roi Jésus a une forme vivante. C'est lui qu'on décrit qu'il s'habille avec le soleil. Il s'habille avec la lune. Il s'habille avec les étoiles. Tu regardes un peu le soleil en haut. Un soleil que tu ne peux pas regarder comme ça. Mais lui prend le soleil. C'est ça son Versace. C'est ça son Gucci. Le soleil, il met ça. Et après on nous dit, le soleil qu'on regarde ici est très petit pour lui. Et quand on va partir au ciel, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de lune, parce qu'il n'y a pas d'endroit pour eux. Lui-même va nous donner la lumière. Une lumière éternelle. Nous sommes en train de parler du roi du royaume. Maintenant, quand la Bible nous dit, là où il y a la parole du roi, il y a la puissance. Ça veut dire que quand le roi dit la chose, la chose arrive. Quand le roi dit une chose, il y a des anges et des anges. Ils volent avec une vol rapide pour que la parole du roi soit exécutée. Vous êtes en train de suivre. J'ai dit ceci. Quand Kadhafi disait que je vais me laver aussi dans la piscine de champagne, ses servants sortaient pour remplir la piscine avec le champagne.
Quand lui il part pour s'échanger, pour venir sauter dans la piscine, la piscine était déjà remplie avec les gens. Vous êtes en train de suivre. Et ça, c'est l'imitation. David nous montre un peu ces choses. David, un jour, il se met, il dit, je veux boire de l'eau d'une source quelque part. Les soldats ont entendu ce que le roi a dit. Ils sont sortis pour aller prendre de l'eau pour eux. Et la rivière que David avait dit, c'était un puits où les Philistins occupaient. Il y avait un camp de Philistins là-bas. Beaucoup de soldats des Philistins. Parce que le roi avait dit, le que je veux boire de cette eau-là. Trois de ces soldats sont partis. Ils sont entrés dans les camps des Philistins. Ils les sont tapés. Ils ont pris de l'eau. Ils sont sortis du camp. Ils sont venus donner au roi. Les désirs du roi. Vous êtes en train de suivre. Alors cette chose-là, David a imité ça où? David dit à Mekola qui consacre. C'est quelque chose que notre Dieu fait chaque jour. Quand Dieu dit quelque chose, il y a un travail de myriades, de myriades, de myriades de anges. Leur travail, c'est d'accomplir tout ce que le grand roi dit. Si Dieu dit que ça c'est en rouge, tous les anges vont sortir pour que ça, ça puisse devenir rouge. Quand tu lis la Bible, tu vas voir que il n'y a aucun endroit où Dieu est en train de présenter. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où Dieu est en train de rire. Dieu se met sur ce temps en train de rire. Ha ha ha. Non. Parce que tout ce que Dieu dit, c'est sérieux. Sur ce que Dieu dit, est sérieux. Tout ce que Dieu dit est écrit directement. Ça devient la loi. Ça devient un commandement. Et cela arrive chaque jour. Pourquoi est-ce que je suis en train d'insister? Parce que je dis ceci au commencement. Quand on parle du royaume, on est en train de voir le roi. Si le roi n'est pas intelligent, le royaume va tomber. David était un grand roi. Salomon était un grand roi. Les enfants étaient fous. On lui a dit, écoute les conseils de Béa. Il a dit non, je ne veux pas écouter. Directement, le grand royaume d'Israël a été divisé. Pourquoi? Parce que le roi n'était pas intelligent. Alors, le royaume de Dieu était un royaume éternel. Parce que Dieu est intelligemment éternel. Un royaume n'arrive pas à continuer parce que le roi meurt. Le royaume de Libye, le royaume d'Irak sont par terre aujourd'hui parce que le roi ne pouvait pas continuer. Il y a quelque chose qui est venu arrêter la vie du roi. Alors, parce qu'il est parti, son royaume est parti avec lui. Alors, on a vu ici que le roi Jésus-Christ,
On a essayé de le trouver. Après trois jours, il est revenu. Et il a dit, je suis le roi. Ça veut dire quoi? Son royaume continue pour toujours. Alors, une des idées que j'ai données, passant à la semaine, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai dit aux gens ceci. C'est intelligent de se coller au royaume de Jésus-Christ. Parce que toutes les choses vont passer. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Toutes les choses vont passer. Tous les royaumes de ce monde vont passer. Tous les rois de ce monde vont passer. Tout le monde va passer. Seulement Jésus-Christ qui va rester. Alors, tous ces loups qui s'attachent à Jésus aujourd'hui, il va rester avec Jésus. C'est ça un bon conseil pour aujourd'hui. Pourquoi s'attacher au royaume de Jésus? Parce que il y a un feu qui va venir brûler. Et le ciel et la terre. Toutes les choses que nous voyons seront brûlées. Alors, tout c'est lui qui mettra sa main au royaume de Jésus. Il ne pourra pas être brûlé. Alors, ça, c'est un conseil que j'ai donné pendant la semaine. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux rester longtemps, attache-toi à Jésus. Attache-toi au royaume de Jésus. Et quand les histoires vont brûler, quand les choses vont tomber, toi tu vas rester aussi pour toujours avec lui. Amen. Amen. Alors, pour aujourd'hui, ça veut dire quoi? Que là où il y a la parole du roi, il y a la puissance. Ça veut dire quoi? Que quand le roi veut faire quelque chose, on ne peut pas lui demander que veux-tu. Quand Dieu veut te bénir et qu'il te bénit, personne ne va lui demander que veux-tu. Dieu n'a pas besoin d'autorisation pour te bénir. Dieu n'a pas besoin de demander à quelqu'un pour apparaître dans ta vie. Alors c'est quelque chose qui vient de Dieu lui-même. Alors la parole du roi a la puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Samuel, Élie, Élisée, Ésaïe, Jérémie, quand tous ces gens-là venaient, ils disaient, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit le Seigneur, c'était la parole du roi. Et cette parole du roi-là est restée debout pour toujours. Parce que la parole de Dieu reste vivant pour toujours. La fleur peut sécher, les arbres peuvent tomber. Mais la parole de Dieu, la parole de Dieu, parce que c'est ça la puissance de Dieu, ça reste debout pour toujours. Alors, un jour, quand Pierre a commencé à prêcher, il a dit aux gens ceci. Attends. Vous êtes en train de nous demander aujourd'hui si nous sommes ivres, si nous ne sommes pas ivres. Vous êtes une mission qui de la côté de la côté. Le Jésus-Christ que vous avez tué. Jésus-Christ au Bouma. Le prophète ancien avait prophétisé regardant Jésus. Le prophète avait parlé de la vie de Jésus. Maintenant, tous les prophètes sont morts. Ésaïe est parti. Jérémie est parti. Mais leur parole est restée vivante. Pas parce que c'était leur parole à eux. C'était la parole du roi. Quand le roi dit la chose, la chose arrive. Ésaïe avait dit,
La vierge sera enceinte. Les gens à l'église ont ri. Esaïe est parti, il était mort. Mais parce que c'était la parole de Dieu, la vierge est devenue enceinte. Vous êtes avec le Seigneur. David avait dit ceci. Vous m'avez prouvé. Vous avez percé mes mains. Vous avez percé mes pieds. Les gens pouvaient lui dire. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Quand est-ce qu'on a percé tes mains? Quand est-ce qu'on a percé tes pieds? David est mort. Pierre a dit aux gens, le tombeau de David est là. Mais la parole que David avait dit s'est accomplie exactement comme il avait dit. Ça veut dire qu'il y a la puissance dans la parole du roi. La parole du roi n'a pas besoin d'être. La parole du roi, quand elle sort, les gens n'ont pas besoin de supporter ça. Ils ont mis même ça en blanc. Bâti à l'open bay. Mais la parole est arrivée. Et comment? Ça veut dire quoi? La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu est un marteau. Capable de briser n'importe quel roc. Capable de briser n'importe quel buisson. Parce que c'est la parole du grand roi. Alors, quelles sont les choses que le roi a déjà dit? Parce que nous sommes en train de voir que la parole du roi ne tombe pas. Alors, qu'est-ce que le roi a dit? Qu'est-ce que le roi du royaume a dit? Ça doit être ton travail de savoir qu'est-ce que le roi a dit. Parce que ce que le roi avait dit, dès après la création du ciel et de la terre, c'est aujourd'hui avec nous. Les gens ont essayé de tuer la simple Bible que nous avons. Ils n'ont pas reçu. Ils ont essayé de brûler la Bible. Ils n'ont pas reçu. Parce qu'il y a une force dans la Bible qui se garde toute seule. Il y a une puissance dans la parole qui se garde toute seule. Alors, qu'est-ce que le roi a dit? Parce que il y a la puissance dans ce que lui a dit. Sans l'aide d'un homme, sans l'aide d'un prophète, la parole de Dieu est puissante pour lui-même. Un autre exemple. Il y avait un général qui était malade et il avait la lèpre. Il est sorti de son pays pour partir en Israël parce qu'on lui a dit, là-bas il y a des prophètes, il peut guérir n'importe quel malade. Alors quand le général là est entré dans la parcelle du prophète, le prophète était dans sa maison en train de faire les choses du prophète. Il a envoyé son servant pour dire à ce général, va te jeter dans la rivière Jourdain cette fois et tu seras guéri. Le général s'est regardé dans son uniforme. Il a dit, moi un général, les prophètes n'est même pas sorti pour me voir. Et il a envoyé son servant. Et après cela, dans notre pays, est-ce qu'il n'y a pas de belle rivière qui dépasse votre Jourdain qui est sale là? Alors parce qu'il était le général, il avait la fièvre. Et il rentrait dans son pays.
Alors quand il partait, l'un des soldats lui a dit, chef général, si le prophète t'avait dit quelque chose de difficile, n'allais-tu pas essayer? Alors quand il partait, il a dit oui. Alors partons essayer. Ils sont partis essayer. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, septième fois, il est sorti. À mon idée, nous donnons une petite guérison. À Piki, total. Malamoko. Vous êtes allé dessus. Il n'a jamais vu prophète. Il a vu le serpent du prophète. À mon idée, mon sang. Parce que c'était la parole de Dieu. Il y avait la force dans la parole. C'est Dieu qui est dans la parole. La parole était avec Dieu, c'était la parole. La parole, c'est Dieu. La parole est Dieu lui-même. Ce n'est pas comme que tu vois le prophète. Les idées que nous avons aussi aujourd'hui. Même les gens avaient ça à l'époque. Le général là dans la Bible, il a dit, je croyais que le prophète allait sortir. Il allait faire le boujou 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 boujou. Il allait faire le boujou 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 boujou. Et faire quelque chose. Non. La parole, c'est la parole. La parole n'a pas besoin de ta femme. La parole n'a pas besoin que tu t'écoutes. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des noms. Dieu, il n'est pas le même parfois. Quand on dit, je suis votre Dieu. Beaucoup ici, nous pensons que c'est comme ça que Dieu parle. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu parle avec une petite voix. Et quand même Dieu te parle, tu peux lui dire stop. Et le grand roi, il s'était. Avant d'appeler. Parce que toi tu lui as dit stop. Vous êtes allé le suivre. Amen. Dieu ne parle pas fort. Dieu n'écrit pas. Un roi n'écrit pas. Dieu n'écrit pas. Dieu n'est pas. Il parle avec une petite voix. Et si tu refuses la petite voix, la petite voix diminue encore. Si tu refuses cette petite voix, elle part même. Tu vas rester sans la voix. Vous allez aller le suivre. Alors nous cherchons les tatas. Oh, ce sont les histoires des enfants. Et oui, on va continuer à trouver les tam-tams pour les enfants. Mais quand tu grandis un peu, quand tu arrives à un petit niveau, tu vas être au niveau de Élie. Quand il se met à la montagne de Dieu, il y a le tonnerre. Il y a un grand vent. Et ça, on peut me m'accasser. Jusqu'à ce qu'il y avait une petite voix. C'est là où il s'était incliné. Parce qu'il sait que Dieu avait une petite voix. Mais pour tous les gens de dehors, ils vont venir, on va jouer les tam-tams. Et puis ils vont sentir. Le mieux dans l'église, Toyokaki a compliment. Oui, Toyokaki Bunda. Il n'y a pas le salut dans le Bunda. Il y a le salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole. Vous allez voir que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'est pas venu avec un épée. Et on nous dit que eux tous, ils attendaient quelqu'un avec un épée, quelqu'un sur un cheval blanc. Et quand il vient, je suis Jésus. Non, il est venu marchant à pied avec les sandales. Ça et puis. Mais quand il disait, sois guéri, sois délivré. Lève-toi et marche. Lazare, toutes les choses qu'il disait arrivaient exactement comme il a dit. Sans t'entendre. Le prophète avait dit qu'il ne va pas lever sa voix
voix. Comme Jésus-Christ était là, si on ne te dit pas que celui-ci c'est Jésus, tu vas venir et embrasser Judas. Si on te dit pas que celui-ci c'est Jésus, tu vas croire que c'est Jean, Pierre ou Pierre. Quand la Bible nous dit qu'il s'était abaissé, il s'était vraiment abaissé. Que les gens venaient avec un offrande pour Jésus. Et il donnait ça à Judas. C'est pourquoi Judas est devenu le trésorier. Tout le monde venait seulement lui donner l'argent. Tout le monde. Jésus a dit qu'il garde seulement. Vous êtes gardé les sous. Parce que lui, il avait un démon. Il s'était jamais abaissé. Chaque jour, il était comme ça. Il est en train d'envoyer les gens, les pierres. Mais lui, il n'avait même pas l'esprit. Et c'est pourquoi les gens disent ah, dès qu'il y a un petit peu comme il envoie les gens, apparemment c'est lui Jésus. Vous avez le souffle. Mais Jésus-Christ, il ne veut pas savoir. Il ne prie pas. Pour avoir la réponse. Et la réponse de Dieu. Il faut savoir comment Dieu parle. Alors, si tu crois que Dieu va crier, tu vas te mettre là à entendre un cri. Et quand le cri ne va pas venir, tu vas dire que Dieu m'a oublié. Nous sommes en train de voir la parole du roi. Alors, quand le roi parle, ça devient la vérité au son. Quand le roi parle, cela est écrit. Alors, une chose que le roi a dit, et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le roi a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce que le roi a dit, cela est vrai. Alors, si toi tu décides, ceux qui osent mon de chanter une chanson, il y a eu un moment. Yesu yaka, Yesu yaka, Yesu yaka, Yesu yaka. Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient. Tu es en train de te mentir toi-même. Le roi a dit, il va être avec toi. Ce n'est plus une chose pour toi. Et c'est sur le côté que tu te coupes. Pour que Jésus-Christ puisse venir, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, quand tu décides de faire une semaine de prière, ne perds pas le temps pour commencer avec un Yesu Yaka. Jésus, il ne va pas répondre à ça. Il veut que toi tu puisses voir ce qu'il avait dit est vrai. Que tu l'es déjà avec toi. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous êtes allé le suivre. Alors, utilise cette formule pour tout le reste du livre. Ce que Jésus-Christ a dit, c'est ce qui reste. Même si toi tu veux inventer quelque chose pour toi, même si tu as quelque chose, que ça te fait bien sentir. Dieu n'est pas dans les sentiments. On nous dit quoi? Je marche par la foi et non pas par la vue. Je marche par la foi et non pas par les sentiments. Alors, la présence de Jésus dans ta vie, ce n'est pas un sentiment. C'est une chose de foi. Tu dois croire à la parole de Dieu. Parce que ce que le roi a dit, il a dit avec toi, il va être avec toi. Amen. Amen. Une autre chose. Quand Pierre a commencé la prédication, il est arrivé à un niveau. Il a dit ceci. Que Christ, et Christ nous a déjà guéri. Et Christ a si la copie qui s'habille. Amen. Amen. Il a dit. Christ, Christ nous a déjà guéri. Alors, si toi aujourd'hui, tu t'aimais et dis, Jésus, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi.
Tu es en train de lui dire qu'il avait menti. Le jour où il avait dit, il t'a déjà guéri. Vous êtes en train de suivre. Parce que lui a dit que je vous ai déjà guéri. Chaque fois quand tu es malade, tu dois recevoir la guérison. Et c'est un cadeau. Amen. Chaque fois, quand tu es malade, tu dois recevoir ta guérison comme un cadeau. Parce que Jésus-Christ a guéri dans le passé. Et il ne va pas te guérir aujourd'hui. Il ne va pas te guérir demain. C'est une guérison qui est arrivée déjà là-bas. Pour être guéri, reçois la guérison là déjà fait. Amen. Amen. Vous êtes avec le suivre. C'est pourquoi j'ai insisté d'abord. Quand je vous parlais de Kadhafi, quand je vous parlais de Saddam Hussein, je ne voulais pas parler d'eux. Je voulais commencer directement avec Jésus. Alors, parce qu'on connaît plus Saddam Hussein et Kadhafi, j'ai commencé avec eux. Pour vous dire, quand Kadhafi disait, je vais me laver dans une piscine de champagne. La piscine à champagne. Quand il entrait dans sa chambre pour mettre le maillot de bain, avant qu'il arrive à la piscine, la piscine était remplie avec le champagne. Piscine, il n'avait pas besoin de savoir qui est le servant qui a fait ça. Et aussi, quand il dit ça, et qu'il se change, il arrive. Il n'y a pas de champagne dans la piscine. Champagne dans la piscine. Le roi ne demande pas s'il te plaît. Quand il veut qu'on te coupe la tête, ceux qui alignent ma tête, directement c'est comme ça. Directement on te coupe la tête. Vous êtes en train de suivre. Ça veut dire quoi? Quand le vieux roi Jésus, il dit à Pierre, que j'étais déjà guéri dans le passé, c'est la parole du roi. Tous les anges sortent pour que tu puisses être guéri. Vous êtes en train de suivre. C'est la parole du roi. Quand le roi dit la chose, la chose arrive. C'est maintenant à nous d'entrer on sait que le roi a dit. Vous êtes en train de suivre. C'est à nous de venir et écouter ce que le roi a dit. C'est à nous. L'autre fois, je parlais ici. Je disais ceci. Quand un papa meurt, que ma tante est allée, et surtout s'il était riche, ceux qui avaient été riches, les enfants ne pleurent pas comme les gens de la route. Avant qu'il pleure, il commence par où est la voiture, où sont les clés de voiture, où sont les papiers de la maison. Pendant que les gens se réveillent, d'abord, ils sont sûrs que toutes les voitures sont parquées, et tous les papiers de la maison sont parqués. Et après, ils vont venir pleurer un peu. Vous êtes allé le suivre. Alors, tous ceux qui ne connaissent pas la loi, que ton papa meurt, tu viens, tu pleures, tu pleures. Après avoir pleuré, tu te réveilles, les oncles ont pris toutes les voitures. Et les tantes ont pris toutes les maisons. Et après, tu te retrouves dehors. Après avoir pleuré.